Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat François Fajib Ben Hana, Janine Ruth Batfort de Mazal Fetna, et Sharia Ben Linda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions la Sikh Dmaï, Perek Aleph, Mishnah Bet, Admaï, Enlo Chomesh, Venlo Biur, Venecha Laonen, Venichna Serushalayim Biyutse, Umabdin et Miyuto Badrachim, Venotno le Amaretz, Veyochal Kenegdo, Umechalin Oto Kesef al Kesef, Nechoshet al Nechoshet, Kesef al Nechoshet, Nechoshet à la perot, on a dit qu'il faut dire Veyachzor veyudet à perot. On a introduit hier longuement la. C'est quoi le demaï? Je rappelle le grand principe. Le demaï, c'est concrètement lorsque j'achète des fruits d'un amaretz, d'un simplé, au marché, eh ben, Chachamim m'a instauré de prélever une seconde fois les troumot ou maasrot parce que. Même si les Rov Amaretz Measrim, la majorité des Amaretz prélèvent leur récolte, mais pas tout le monde prélève, il y a une minorité conséquente qu'il faut craindre. Rami Moinsoré de prélever une deuxième fois, avec, justement, c'est la Mishnah qui va nous rentrer dans les détails, en nous disant que tu prélèves une seconde fois par rapport à l'interdit de manger des fruits qui n'ont pas été prélevés. Mais tu n'as pas d'obligation ensuite de donner au destinataire les fruits que tu as prélevés. À l'exception de ce qui a un interdit formel de manger. En l'occurrence, le Maaser Rishon, tu ne dois pas le donner, tu n'as pas besoin de le donner au Lévi. Mais à l'intérieur du Maaser Rishon, il y a la Troumat Maaser que le Lévi devait donner au Kohen. Ça, tu dois prélever, tu n'auras pas le droit de le manger. Maaser Ani, Maaser Sheni, tu dois le prélever, mais tu pourras toi le manger. Maaser Ani, tu le manges directement, tu n'as pas besoin de le donner au pauvre, parce que peut-être que ce n'est pas imposé, donc le pauvre ne peut pas te réclamer. Et Maaser Sheni, tu prends tous tes fruits, tu transfères la doucha sur une petite pièce et tu t'acquittes. Et c'est sur ça que maintenant la Mishnah va me dire, en me donnant toutes les coulottes qu'il y a sur le dmaï quand tu prélèves le dmaï. En l'occurrence, admaï en l'chomesh. Lorsque tu vas transférer la doucha du dmaï, du maaser sheni, sur une pièce, tu n'as pas besoin de rajouter le chomesh. Lorsque tu prélèves le maaser sheni amiti, tu as des fruits qui valent 10 shekels. Tu dois prélever sur 12 shekels, le cinquième, c'est même plus que ça, c'est 12 et demi. On va pas rentrer dans les détails. Quand tu prélèves le dmaï, tu prends 10 shekels, pour 10 shekels, tu t'acquittes. De même, venlo biour, tu n'es pas imposé de la misa de biour. Tous les 3 ans, il faut faire maintenant l'inventaire de ce qui te reste et distribuer tout ce qui te reste. Donc, lorsque tu prélèves, je prélève du blé, je peux le garder. Et pour dans 3 mois, il y a mon cousin pauvre qui va, ou mon cousin Lévi, qui va marier son fils, je vais garder le blé pour lui donner quand il aura du blé. Ouais, mais arrive le moment, tous les 3 ans à Pessah, tu dois vider les stocks. C'est la misère de Bi'our. Là, le demain, tu n'as pas besoin de faire le Bi'our, tu le gardes. Si tu dois donner une part, tu n'as pas besoin de supprimer tout ce qui te reste chez toi, Bikitour. Même si tu as une trace de pièces de ma sœur Cheni, tu peux les garder si tu veux, il n'y a pas de problème. De même, Venecha Laonen. C'est plus que l'endeuillé. Le Onen, c'est lorsque, entre le moment où le proche parent décède et le moment où on enterre, on est Onen. Le Onen, il est très triste et il a un interdit de manger les. Si les Kohen, Lévi, et plutôt le Maaser, excusez-moi, je me trompe, c'est sur le Maaser Sheni spécifiquement. Le Maaser Sheni, on n'a pas le droit de manger lorsqu'on est Onen. Le Achalti, mais Menou Be Oni, écrit le Parchat Kitavo. Et là, le Onen du Dmaï, pour le Dmaï, le Onen, il a le droit de le manger. C'est de nouveau des coulottes, parce que c'est qu'un doute qu'on craint et on n'a pas été marmir sur toute sa lachote. De même aussi, Venichnas et Rochalem et Yosef. Lorsque je fais entrer des fruits à Yerushalayim qui n'ont pas été prélevés et je les ressors, ou bien je fais entrer du Maaser Sheni, j'ai déjà dit que le Maaser Sheni, je peux le transférer sur la Gdusha, je rachète la Gdusha sur de l'argent. Une fois que je suis entré à Yerushalayim, j'ai plus le droit de prélever, de transférer la Gdusha sur de l'argent. J'ai plus le droit de prendre ces fruits pour les ramener chez moi. Je dois nécessairement les laisser à Yerushalayim. Pour le Dmaï, Nichnas Veyotse, je le fais entrer à Yerushalayim, si je veux, je ressors, je rentre chez moi avec ces fruits et je retransférerai la Gdusha plus tard. Et de même aussi, Ume Abdin et Miyuto Bedrachim. Lorsque tu as fait rentrer tes fruits de Maaser Sheni, tu es entré à Yerushalayim avec tes fruits. Et une fois que tu es ressorti, tu as emporté avec toi des fruits de Maaser Sheni. Tu n'as pas le droit de les gaspiller sur le chemin. Tu dois nécessairement repartir à Yerushalayim pour les manger. Pour le dmaï, tu peux les manger, tu peux les laisser sur place là où tu te retrouves. Tu n'es pas obligé de repartir à Yerushalayim. De même aussi, Venotno le Amaretz veYochal Kenegdo. En théorie, je n'ai pas le droit de vendre des fruits qui ne sont pas prélevés à Amaretz, parce que le Amaretz, il ne va pas prélever ses fruits lui-même. Et donc, l'Ifné vers l'Otsi de Mirchol, je lui mets une embûche, je vais le faire transgresser un interdit de la Torah. Donc, il faut nécessairement, quand je donne des fruits à Amaretz, je dois moi m'occuper de prélever le tour de Masrot,
et après je lui donne. Pour le demain, je peux lui donner le fruit tout de suite, et une fois que j'arrive chez moi, Yochal Kenegdo, je dis bon, je lui donnais là-bas trois, parmi les pommes que je lui donnais, il y avait là-bas des pommes qui ont problème de tomatomassot, je transfère la doucha du maaser sheni qui est là sur les fruits, sur la pièce que j'ai chez moi, ou bien si je suis à Yerushalayim, sur le fruit, je transfère la doucha dessus, et comme ça, d'accord? Le chidouche, il est que je n'ai pas besoin, moi, de me soucier de finir les tomatomassot pour donner au maaser. Je peux d'abord donner, après je me soucie de lui faire le prélèvement quand j'arrive chez moi à la maison. Idem aussi, on met chalé notre kesef, al-kesef. Alors là, on va entrer dans les halakhot du chiloul des pièces. Lorsque je prélève, on va le faire très rapidement. Lorsque je prélève le maaser chez lui, il y a une doucha, je dois transférer la doucha sur l'argent. Il y a toute une hiérarchie de dans quel ordre je transfère la doucha. Le principe général, il est que ce qui est la doucha sur les fruits, je le transfère sur l'argent. Lorsque j'arrive à Yerushalayim, l'argent, je le retransfère sur des fruits. Maintenant, une fois que j'ai transféré sur de l'argent, alors, dans certaines situations, je n'ai pas le droit de transférer de l'argent, ni sur de l'argent, ni sur d'autres fruits. C'est tout à transférer une fois. C'est complexe. C'est dans ma cherche, non, pas mon nom de tout ça. Mais de manière générale, tu peux transférer que de l'argent, des fruits sur de l'argent. Maintenant, il y a de l'argent qui est plus général, tu as le droit aussi de transférer une deuxième fois parce que c'est de l'argent plus important, mais pas moins important. Si tu as transféré, en fait, on va dire, si tu as transféré sur des pièces d'argent, tu n'as plus le droit de les transférer sur des pièces de bronze, qui sont moins, de valeur moins. Tu pouvais faire passer des fruits sur le bronze et du bronze sur l'argent, mais pas des fruits sur l'argent et l'argent sur le bronze. Tu n'avais pas le droit de le faire dans cet ordre. Tu dois certainement que partir avec des pièces encore mieux. Parce que tu pourrais, ou bien, acheter des fruits qui seront à Sergeni, une fois que tu achètes les fruits qui seront à Sergeni, ces fruits-là, tu les amènes au Shalem. Toutes ces halakhot-là, elles ne sont pas en vigueur pour le Maaser Sheni Shel Dumaï. Quand tu prélèves le Maaser Sheni du Dumaï, tu prélèves sur n'importe quel argent, et de n'importe quel argent, tu transfères sur n'importe quel argent, et tu peux me transférer sur des fruits, et on a même une marloquette. Est-ce que des fruits, j'ai le droit de retransformer une deuxième fois sur l'argent? Et regarde, on fait ça dans les mots, c'est simple. Ve'omechalelin oto kesef al kesef, et on pourra le racheter sa gdoucha, le chalel, le rendre chol, de l'argent sur de l'argent, nechochet, nechochet, du bronze, du cuivre, sur du cuivre. De même aussi, kesef, nechochet, aussi tu as même le droit de l'argent, tu transfères sur le nechochet, au nechochet, à la pirote, et du nechochet, du cuivre, sur les fruits. Et oubilvad, mais attention, alors faut pas dire oubilvad, comme le partenaire nous dit, mais yarzor veyivzet apirot. Et tu pourras même aussi transférer en fait l'argent sur les fruits, et même racheter de nouveau encore une fois les fruits, tu fais ce que tu veux. Divrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir, bacharame omrim, non. Il y a l'apirot veyachelou birushalayim. Tu monteras les fruits et tu les mangeras Yerushalayim. C'est-à-dire, une fois que tu es arrivé maintenant à la destination terminale d'avoir transféré ton argent sur les fruits à l'extérieur de Yerushalayim, là, ces fruits-là, tu les prends à venir au Charim. Tu ne peux plus t'amuser à transférer des fruits sur notre argent. D'accord? C'est clair? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.